Tenez ! T'aurais dû rester où t'étais, Lily. J'en ai abattu un. Tu vas bien? Ouais. Allez. Je vais t'aider. C'est bon. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te... Non. Ok. C'est les Scars qui ont construit ça? Les Séraphites. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est... comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Elle a explosé des camions et tué des soldats. La voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins? Quelques-uns. T'apprendrais beaucoup de choses. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi une seconde. Passe devant, cette fois. Mmh.
chose de noter comme ça. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis désolé pour votre fils. C'est un honneur. Il a rejoint notre prophétesse. Il est mort avec courage. Vous pouvez être fier de lui. Nous le sommes. Merci. Les anciens nous ont offert un nouvel enfant. C'est un grand honneur. Elisabeth leur est reconnaissante. Les anciens savent ce qu'ils font. Tout va bien se passer. Oui, bien sûr. Thank you.
Séraphine, peu importe. Ouais, oh chier. J'ai jamais entendu un Séraphine parler comme ça. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Bon, on va où maintenant? Attends, laisse-moi deviner. Faut grimper? Ouais. C'est un monde charge? Ouais. Il faut que tu baisses la porte. Qu'on peut trouver notre véritable force. Tu tiens ça à ta prophétesse? Ouais. Je croyais que vous étiez contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Surtout quand c'est pour les soldats. Ben voyons. Donc, tu continues à aimer ta prophétesse alors que ses adeptes essaient de te tuer en son nom? Elle n'aurait jamais voulu ça. Tu devrais dire ça à tes potes. C'est seulement après sa mort que les lapidations et les pendaisons ont commencé. Il faut que déformer ses paroles. Ok. Le plus emprunté. Oh putain. Évite juste de regarder en bas. Bordel. Oh. Comment tu te sens? Je peux te dire que je l'attends, ma véritable force. Ça coule. C'est cool. Quoi? Entre toi et ton ami Owen? C'est pas vrai, Lev, tu crois que c'est le moment? Juste que c'était tendu entre Avance vous. Avance! Oh, Dieu merci. J'ai réussi! Allez, viens! On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. Pas encore. Amène-toi, t'as mérité un câlin.
Tu vas bientôt changer d'avis. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu vas voir. Oh, putain, lève ! Tout va bien se passer. Regarde-moi. Putain. Tu es prête ? Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. D'accord. Ok. C'est bon. Par où maintenant ? Je sais pas. Et comment ça ? C'est le bon immeuble, mais j'étais encore jamais venue par ici. La passerelle conduit à l'arrière de l'immeuble. C'est la première fois que je viens là. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Les oreilles qui sifflent. S'il y a que ça, alors on a eu de la chance. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Il y a des wolves qui croient en Dieu. Je les ai entendus prier. Ouais, ben pas moi. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici ? Pourquoi t'es revenu nous aider ? La culpabilité. De quoi ? Tu nous devais rien du tout. J'avais besoin de faire quelque chose de bien.
Nickel. On descend par là. Si on rejoint la rue, on sera juste à côté de l'hôpital. Un cadavre. C'est l'un des tiens ? Non. Regarde les vêtements. Tiens. C'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Lev, y a des infectés dans ce bâtiment ? On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors j'en sais rien. Sport. Mets ton masque. J'ai pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances ? On a dû s'enfuir. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Si tu meurs, je serai coincé ici. Et pour que je m'en sorte, alors. Bon, un masque. Faut que je trouve un masque. Si tu veux, mais bousille pas le masque. Connard.
Putain, ça craint. Il a l'air bien. Bon, j'arrive, Lev. Tiens, c'est cadeau. Attends. On perd du temps. On peut pas aller plus vite. C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Voilà. Ça va aller. T'as vu par où descendre ? Non. Abby, t'en penses quoi ? Un tuyau d'incendie ? Lev, viens descendre ça. J'arrive. Je vais aller voir en bas. Fais attention. Du calme. Allez.
Et maintenant, suis-moi. Que le courant soit calme. D'étage, on doit encore descendre. Je sais pas, il est grand cet immeuble. Trop contente qu'on ait pris ce raccourci. Même si on est coincé avec tous ces démons. C'était de l'humour. Ah. Thank you.
À descendre, on est presque au niveau de la rue. On avance. Lève, est-ce que ça va? Ouais. Et toi? Pour être franche, j'ai connu mieux. On y va.
Aide-moi. On y va. Immeuble de merde. Tu l'as dit. Une pièce. Une pièce de quoi ? Quoi ? Tu peux retirer ton masque. Merci. Tu vois l'élévateur juste là ? Ouais. C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. C'est cool, Lev. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'Ara s'inquiète. T'es cool comme frère. Je peux te poser une question ? Vas-y. Tu regrettes de t'être rasé la tête ? On n'est pas censé éprouver des regrets. Lev... J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça... J'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre mère. Votre mère, elle a besoin qu'on s'occupe d'elle ? C'est notre mère. C'est notre devoir. Tu vas m'attendre ici. Quoi ? Mais pourquoi ? Parce qu'ils voudraient te faire la peau. Moi, Yako Backgammon, que je suis une menace pour eux. Le Backgammon ? Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok ? Ok. Quelqu'un dans l'eau. Je suis une wolf. Tirez pas. C'est moi. Abby. Abby ? C'est Abby, merde. Elle est seule. Ouvre le portail. Salut les gars. Ça va, t'es venu à la nage ? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Je fais un boulot pour Isaac.
On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora ? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment ils font pour attirer une nouvelle recrue ? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. T'as quoi ici ? Atel, Abesslang, bassin de lit. T'as du matos chirurgical ? J'ai vu ce genre de matos à l'intérieur il y a longtemps. Merci. J'ai un truc pour toi. D'accord. Vous avez pas encore fini ? Non, on procède étage par étage. Il reste du matos là-dedans ? Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh, bonne chance. Salut. Abby. Ils t'ont transféré toi aussi ? Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont ? Abby. Je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a disparu depuis hier. Donne-moi tes mains. Tu vas te déboîter l'épaule. Nora ! Eh ben, je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium ? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi ? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais... Ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord ? Oui, bien sûr. Bon, suis-moi. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel ? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé ? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il a pas été tendre. Quelqu'un a parlé ? Non. Nora ? Vous allez où tous les deux ? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant ? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. C'est bon. Et toi, ça va ? Comme d'hab. Anis fait un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là ? Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup... Oh, une seconde. Y'a personne. Alors... Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé ?
Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries, tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Moi non plus. Ok. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Soit longue. Que ma mort soit rapide. On se retrouve à la base. Bientôt, j'espère. Ok, chirurgie, traumato, soins intensifs. C'est parti. Je m'attendais à pire. J'aurais pas aimé être dans le coin quand tout a commencé. Vous avez fait votre possible. Les urgences. Le service traumato doit être par là. Ok, là, ça fait beaucoup. Oh. Ah.
Allez, trouve quelque chose. Nada. Il y a forcément quelque chose dans le coin. Bordel, dans quoi j'ai atterri? Chirurgie, nickel. Je t'ai entendu. Rétablir le courant. Putain. L'Ève aurait pas été de trop ici. Ou Mani. Ouais, Mani. Si seulement Mani était là.
Essayons ça. Ça devrait me faciliter la tâche. Bon, où est-ce qu'il est, ce putain de matos ? Voyons ce qu'il y a ici. C'est pas vrai. Quoi ?
c'est tire-toi.
bateau et on vient sortir d'ici. J'espère qu'Yara tient le coup. Ils sont tous à ta recherche.
quoi au juste? Rien du tout. Je t'avais dit de pas bouger. J'ai pas eu le choix. Tes amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Allez la voir si tu veux. Elle va s'en tirer? Oui, on dirait. Salut, toi. C'est des gosses. Je sais. Qu'est-ce qui nous est arrivé? On a peut-être arrêté de chercher la lumière. Peut-être. Je vais voir comment elle va. Ok. Même si tu y arrives, elle voudra jamais venir avec toi. Je réussirai à la convaincre. Lève, on a enfreint les règles. Owen? Yakma.
Qu'est-ce que tu fais debout ? Je changeais les pansements de Yara. J'en reviens pas qu'elle soit sur pied. Normal. Les scars sont des durs. Pourquoi ils s'engueulent ? Je t'emmerde, Yara. Jamais je t'abandonnerai. Lev veut rester à Seattle. Owen leur a proposé d'aller à Santa Barbara. Ça, c'est tout, Owen. Je pensais que tu réussirais à le convaincre de pas y aller. En fait, je pars avec eux. Je ne veux plus te voir. Quoi ? Il a peut-être gobé ton numéro avec les gosses. Mais moi, non. Tu crois que je fais semblant ? La meilleure tueuse d'Isaac qui s'en tige de deux scars ? Rien à voir avec Owen ? Pas vrai ? J'ai fait des erreurs, je le reconnais. T'es une ordure, Abby ! Tu l'as toujours été. J'en ai marre de toi. Tu veux les aider, ces gosses ? Dégage de leur vie avant de la foutre en l'air. Abby. Chouette t-shirt. Est-ce que ça va ? Ça va, ton bras ? Bah, c'est déjà mieux que ce matin. Lève, s'est calmée. Ça ira. Oh. Tu veux bien m'aider à le chercher ? Il était très énervé. Bien sûr. Il est parti par là. S'il te plaît. Pourquoi Lev veut pas aller à Santa Barbara ? Il s'inquiète pour notre mère. Il a peur de ce qui pourrait lui arriver à cause de nous. Et il a raison de s'inquiéter ? Il devrait d'abord s'inquiéter de sa propre sécurité. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal à votre mère ? Il arrive que les parents soient tenus responsables des péchés de leurs enfants. Mais notre mère suit les règles. Tout ira bien pour elle. Y aurait moyen de faire quelque chose ? Pour l'aider ? Il ne pourra pas la convaincre de partir. Personne ne le peut. Et j'ai peur de ce qu'elle pourrait faire à Lev. Lev ! Lev ! Tiens, je me demande s'il a vu ça. Il adore les requins. Il adore les requins, mais il déteste l'océan. Vous avez beaucoup discuté, on dirait. Il faut croire que ça rapproche d'échapper de peu à la mort. Il a dit que t'avais été courageuse. Tu as entendu ? Lève ! T'es là-dedans ? Hey, n'aie pas peur. Tout va bien. Elle veut jouer, c'est tout. Salut, ma belle. T'as trouvé quoi ? Elle te fera pas de mal. Tiens, regarde. Va chercher ma belle. J'ai l'impression qu'elle veut que tu le relances. D'accord, encore une fois. Oui, t'es rapide.
Tu veux essayer? Je crois pas que ce soit une bonne idée. Elle ne va pas me mordre, hein? Non, pas de danger. Je peux recommencer? Je crois qu'elle demande que ça. Continuez de le chercher. Tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler Lily. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis c'est raser le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. J'étais une imbécile. Hey, j'ai une idée. On va trouver un cadeau pour Lev. Allez. Et qu'est-ce qui l'a poussé à le faire? Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi. Mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. C'est... la tradition. Pauvre gamin. C'est où Santa Barbara? C'est en Californie. Et la Californie, c'est où? Je vais te montrer. Là, c'est Seattle. Et... là, Santa Barbara. Et... notre île? On la voit pas, mais elle est par ici. C'est tellement loin. Ouais. Tant mieux. Il doit bien y avoir quelque chose qui traîne dans le coin. Non. On peut trouver mieux que ces t-shirts.
Ça, c'est mignon. T'as trouvé quelque chose? Non. Continue à chercher. Et ça, t'en dis quoi? C'est parfait. Mais elle a tort, tu sais. T'es quelqu'un de bien. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby, tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev? Ouais. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je peux te parler. Je te rejoins. D'accord. Elle comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais t'aimes bien, toi. Alors, tu viens à Santa Barbara, hein? Je peux pas. Pourquoi? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non, pas du tout, écoute. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Je sais. Mais on peut être ensemble. Abby. On peut être heureux. T'as entendu ? Il veut la retrouver. Qui ça? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt? Pas encore. Dans combien de temps? Quelques heures. Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient de se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider. Ouais, en commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. Voilà la marina. Tu te sens bien? Ça va. Ok. Les Wolf utilisent cet endroit? On y amarre quelques-uns de nos bateaux. Ok. Je te rattrape. Je vais y arriver. Continuons. Fais gaffe.
Comment on fait pour atteindre ton village sans se faire tuer? Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discrètement. Ensuite, on prendra des petites routes. Elles sont sûres? Plus que les autres, en tout cas. Tu crois que Lev finira par changer d'avis? Non. C'est une vraie tête de mou. Tu devrais pourtant savoir ce qu'il attend. Non. Je prends des gens. En même temps, c'est sa mère. Peut-être. Mais ça, ça fait pas. Comment on fait pour aller à la marina? On dirait qu'on va devoir faire le tour. C'est par là. Évite au max de mouiller ton bras. C'est trop tard. Les bateaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on contourne par la route. Ok, ça marche. Yara. Un bateau et je te récupère. Non, je vais t'aider. Pas cette fois. Je m'en charge, ok? Ok.
Baisse-toi! Abby, pourquoi t'es là? Dani? T'es venue seule? Ouais. Merde! Ce sniper, c'est un putain de pro. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Les canons, on devait attaquer l'île cette nuit. Et ce pendejo s'est pointé. J'ai envoyé un gars chercher de l'aide. Les renforts vont arriver. Enfin, j'espère. Il me faut un de ces canaux. Maintenant! Pourquoi? Plus tard, les questions. Dans ce cas, va falloir que tu m'aides à le descendre. On y va. Planque-toi! Ça fait quelques jours qu'ils ont débarqué de nulle part. Ils font un max de dégâts. Pourquoi? Qu'est-ce que j'en sais? Par ici! Si. Allez, allez! La rue est impraticable. Merde. Bon, c'est quoi le plan? Bien, on va dans le garage. On peut se servir de ça. Vas-y, je te suis. Allez. Chariot tombe en morceaux! Faut y aller! Allez, allez! Sans déconner, c'est ces intrus qu'il faudrait attaquer. Pas cette putain d'île. Dani. Commence!
Faut qu'on atteigne le tour qui s'échappe. Ce type en face de moi. Ami, par ici. Merde. Vas-y, je te couvre. Pas être loin. À terre ! Et merde ! Hey ! Estás pinche muerto ! Il est juste là ! Allez, surtout t'arrête pas ! Tu le vois ? Là ! Là ! Et on rentre à l'aquarium. Allez, on prendra le bateau.